sommes entendus. Amen, amen, amen. La libération de tous ses habitants. Tous, il vient dit tous. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Vous savez comme moi, la bénédiction est tant sur les méchants que sur les mauvais. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut bénir votre ennemi. Parce qu'en le bénissant, Dieu s'occupe de lui. Amen. Amen. Il ne faut pas souhaiter le mal à son ennemi. Mais il faut le bénir. Parce que vous savez que ce n'est pas vous qui jugez, et ce n'est pas vous qui condamnez. C'est Dieu qui juge, et c'est Dieu qui condamne. Alléluia. Et ça, c'est pire que nous. Ça, c'est pire que nous. Amen. Parce que Dieu est juste. Alléluia. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Amen. La libération de tous ses habitants. C'est ça le jubilé. Alléluia. Amen. Chacun retrouvera la possession de sa terre. Mm. Chacun retournera dans sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun retrouve la possession de sa terre. Amen. Ce qui est à lui est Amen. À lui. Ce que Dieu lui a donné, c'est à lui. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous avons prié pour dire aussi que le diable, il a dû tout rendre. Alléluia, parce que Christ est mort à la croix. Et nous avons fait le geste prophétique. Alléluia. Dieu est grand et Dieu est bon. C'est vrai. L'année du jubilé, il chantait aussi des cantiques nouveaux. C'est pour ça qu'on dit chanter des cantiques nouveaux. Parce que tout est nouveau, tout est remis à neuf. Alors on a besoin d'entendre, et Dieu a besoin d'entendre des cantiques nouveaux. Chacun retrouvera donc la possession de sa terre. Chacun retournera dans sa famille. Donc la famille est forte. La famille est restaurée. Alléluia. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de cassure. Il n'y a plus de souffrance. Mais il y a la joie. Il y a le jubilé. Alléluia. Alors on peut jubiler de joie. Et maintenant vous allez voir. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne semerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. Est-ce que vous avez entendu? Vous ne semez pas, vous ne moissonnez pas. N'est-ce pas? Mais il dit que vous allez manger ce qui aura poussé dans votre champ. Donc, toutes les graines là, qui ont été perdues, Amen. Elles vont pousser. Amen. Vous n'allez même pas travailler la terre, vous casser le dos. Vous allez vivre la joie du Seigneur, le repos de Dieu. Amen. Alléluia. Ce que vous avez semé là, avant, pendant les 50 ans là, ça va pousser. Alléluia. Ça va pousser. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. Amen. En cette année jubilaire. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Bon, ça, je crois qu'on peut sauter, on peut continuer plus bas pour aller plus vite, n'est-ce pas? Que nul de vous ne laisse donc son prochain, vous montrerez que vous révérez votre Dieu, car je suis votre Dieu. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois et vous les appliquerez. Ainsi, vous demeurerez dans le pays en sécurité. Et la terre vous donnera ses fruits. La terre vous donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous menerez une existence paisible. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être direz-vous, verset 20, peut-être direz-vous, mais que mangerons-nous la 7e année, puisque nous n'aurons ni semé ni rentré des récoltes. Sachez que la 6e année, je répandrai ma bénédiction sur vous. Amen. En vous assurant Amen. Une récolte suffisante pour 3 ans. Amen. 3 ans. Alléluia. Amen. 3 ans. On n'a pas semé, on n'a pas travaillé la terre, on n'a pas moissonné. Mais Dieu nous donne la nourriture pour 3 ans. Alléluia. Amen. Donc pour 2009 là, Dieu nous donne pour 2010, pour 2011. Alléluia. Amen. Il donne pour 2009, il donne pour 2010, il donne pour 2011. Alléluia! Il faut être dans le repos de Dieu. Le prophète Esaïe, il a bien dit, il ne faut pas travailler pour gagner votre pain. Il faut travailler pour l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous faites, faites-le pour l'éternel. Cela ne veut pas,
Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus travailler. C'est pas ça que ça veut dire. Ça, c'est faux. À ceux qui ont interprété ça comme ça, c'est faux. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire tout ce que vous faites, votre travail, tout ce que vous avez, votre foyer, votre famille, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'avancement du règne de Dieu. C'est pour que le règne de justice, de paix et de joie puisse avancer. Alléluia! Vous allez récolter, nous allons récolter. Alléluia! Je répandrai ma bénédiction sur vous en vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans. Alléluia! C'est pour ça que Jésus, il a pris le texte dans Ésaïe, dans Luc 4. Jésus était juif, il connaissait les 7, il connaissait les 7 ans, il connaissait les 49 ans, il connaissait la 50e année, il connaissait le jubilé. Alléluia! Comme le prophète Ésaïe connaissait le jubilé. Ésaïe, il a donné ce texte parce qu'il connaissait le jubilé. Il annonçait Jésus. Alléluia! Il annonçait Jésus. Nous allons lire dans Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. Alléluia. 2009, 2010, 2011, des années de faveur de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur et la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile. Sur notre tête doit couler l'huile de l'allégresse au lieu du deuil. Amen. Et pour les vêtir d'habits de louange, des habits de louange. Alléluia. Les Israélites, quand ils louaient le Seigneur, ils sonnaient de la trompette. Alléluia. C'est pour se rappeler au Seigneur l'année du jubilé, l'année de la bénédiction, où on récolte sans même qu'on ait semé, sans même qu'on ait travaillé la terre. Alléluia. Afin qu'on les appelle les chaînes de justice. Nous sommes des chaînes de justice. L'arbre qui est le plus costaud ici dans toute la région, dans toute l'Europe, c'est le chêne. Il ne brise pas le chêne. Rien ne peut briser le chêne. Et Dieu dit que quand nous sommes revêtus donc des vêtements de louange et que sur nos têtes coule l'huile et que nous sommes dans l'année du jubilé, bien nous sommes des chaînes de justice. Alléluia! Amen. Nous sommes la justice de Dieu et nous sommes des chaînes de justice. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! C'est ainsi que Jésus-Christ, il a proclamé la bonne nouvelle. Nous allons lire dans Luc 4, versets 14 à 21. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Vous avez bien lu dans Ésaïe 61. La puissance de l'Esprit, couvert par la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandait dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. C'est quel jour ça, le jour du Shabbat? C'est le 7e jour. Alléluia! C'est pas par hasard, hein? Il aurait pu rentrer le lundi ou bien le mardi. Non, il est rentré le jour du Shabbat, c'est-à-dire le 7e jour. Ça commence le 6e au soir, jusque le 7e au soir. C'est ça pour eux, le 7e jour, le jour du Shabbat. Comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la